pour le torticolis, le travail au niveau du trapèze. Très souvent, au niveau du torticolis, on risque d'avoir un patient qui se présente ici avec une rétraction unilatérale, par exemple. Donc on va venir placer une main sous sa tête. On va chercher à étirer le trapèze progressivement. L'autre main va venir se placer sur l'épaule. Et ici, on va travailler en inclinaison, en cherchant, en repoussant l'épaule ici. Et en inclinant, en inclinant la tête de l'autre côté progressivement. Bien sûr, on ne va pas gagner en amplitude comme ça aussi vite, hein, c'est juste pour montrer. Et on va chercher à retrouver l'amplitude maximum. On peut également proposer des techniques en plaçant l'avant-bras ici contre la tempe du patient. Des techniques de contracter relâché. On va demander au patient de venir pousser contre notre avant-bras pendant quelques secondes, relâcher et gagner un petit peu plus en amplitude, comme ça jusqu'à gagner le maximum d'amplitude au fur et à mesure des séances. Et à chaque fois qu'on ramène au niveau de la technique, on essaie de ramener la tête en position neutre, en position normale, et pas ramener à la position initiale comme on avait cru le patient. Donc, chaque fois qu'on a gagné en amplitude, on essaie de ramener la tête du patient en position neutre.